Honnêtement, je m'identifie beaucoup par mes cheveux. J'ai plus ou moins toujours eu les cheveux longs d'ailleurs. J'ai eu la chance de grandir avec une maman passionnée par le cheveu crépus. Merci maman, plein de bisous à toi. Elle m'a appris les bons gestes à avoir, c'est-à-dire ne pas tirer les cheveux car cela mériterait le cuir chevelu. Faire attention à mon type de coiffure car certaines peuvent carrément m'arracher la déventure et rendre mon cuir chevelu tellement sensible à certains endroits qu'il pourrait ne plus jamais pousser. Là, je parle de mes cheveux quoi. L'enseignement majeur que j'ai reçu d'elle, c'est de toujours avoir les cheveux bien démêlés avant de les laver. Rares sont les fois où je les ai lavés avec de gros nœuds. Vous voyez là par exemple que je suis passée sous la douche sans démêler mes cheveux au préalable. Ça c'est normal, c'est parce que je sortais d'un twist out. J'avais fait des flat twists, donc mes cheveux étaient déjà étirés et je n'avais pas besoin de passer par la case de démêlage avant de passer sous la douche pour faire mon shampoing. Donc je m'arrange toujours à avoir les cheveux au minimum étirés et je pense que c'est de très loin la clé du succès lorsqu'on essaie d'avoir une rétention de longueur importante, c'est-à-dire avoir des cheveux longs, type Rapunzel quoi. Tout passe d'abord par la façon de faire son shampoing et d'avoir les bons gestes. Je ne dirais pas ça assez, enfin je me répéterai plusieurs fois dans cette vidéo aussi, mais ce sont les bons gestes qui comptent vraiment beaucoup. Savez-vous par exemple que les cheveux crépus sont au stade le plus fragile à leur stade? Les plus fragiles, lorsqu'ils sont mouillés, ils ont la facilité à s'arracher plus facilement et en fonction des textures, à s'emmêler très très rapidement. Ce qui casse bien sûr les cheveux en fait. Alors oui, il m'arrive souvent de faire des soins spéciaux lorsque je me sens un peu, je sais pas comment dire ça, lorsque je sens que mes cheveux perdent en volume, lorsque je sens que mes cheveux sont un peu plus fins, ils sont un peu plus secs, ils ont tendance à s'arracher. J'ai beaucoup plus de casse, ils sont ternes, ils sont rêches. Bref, j'ai de la peine à démêler mes cheveux. Là, ce que je fais, c'est des grands bains d'huile. Seule l'expression bain d'huile dit déjà tout ce qu'il y aura à faire lors de ce soin. C'est-à-dire qu'il s'agit là de prendre une huile que vous allez au préalablement chauffer pour pouvoir faciliter son absorption dans les cheveux. Vous allez appliquer cette huile-là comme si vous êtes en train de faire votre shampoing de la racine jusqu'aux pointes. Le but ici, c'est de démêler vos cheveux avec les doigts. Je sais, avec les doigts, c'est fastidieux comme travail, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. Les boucles sont définies, les cheveux sont juste soyeux, un peu plus brillants. Et vous avez préparé la fibre capillaire au shampoing qui ont tendance à agresser le cuir chevelu et à assécher le cheveu. Donc, c'est tout aussi bénéfique pour vous. Si vous avez envie de redonner la longueur, si vous avez envie de vivifier vos cheveux, de les raffermir, de, comme j'ai entendu mes confrères, mes consoeurs parler dernièrement, à gainer le cheveu, à le rendre un peu plus ferme, afin que vous ayez des cheveux bien robustes et moins cassants. S'il y a bien quelque chose que je déteste au plus haut point, c'est de perdre mon temps lorsqu'il s'agit de faire mon shampoing. Donc, j'ai simplifié les gestes que j'ai au quotidien le plus facilement possible pour ne pas perdre du temps sous la douche. C'est-à-dire que je suis arrivée à un niveau où je masterise tout cela, la coiffure, y compris la coiffure qui, attention, va me mettre à peu près une semaine et demie ou deux semaines pendant 35 minutes avec le shampoing y compris. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? J'ai déjà les cheveux qui sont étirés, ça fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de les laver, c'est beaucoup plus facile pour moi de les démêler une fois que j'ai fini de faire mon shampoing parce que le shampoing me laisse des nœuds également lorsque le shampoing il est un peu trop agressif, mais là ce n'est pas le sujet de cette vidéo-ci. Ensuite, je démêle avec un après-shampoing, je démêle encore une fois avec un masque que je laisse poser pendant grand max 5 minutes, le temps de nettoyer la douche et d'enlever les cheveux qui sont tombés lorsque je faisais mon premier démêlage. Et ensuite, je rince. Il faut noter que je rince les cheveux en ayant déjà des twists, comme vous l'avez vu là, sur ma tête, afin de pouvoir me faciliter la tâche encore une fois et d'avoir les cheveux tout aussi bien démêlés. Comme vous voyez, je passe après à la coiffure, au styling, qui est les twists, que je fais assez fréquemment, assez régulièrement. Si je ne fais pas des twists, je fais des mini braids, c'est-à-dire des nattes, pas des nattes collées, des nattes qui vont tomber comme des twists en fait. Je pense que vous voyez bien ce que je suis en train de raconter. Bref, entre les mois d'avril et de novembre, j'ai testé de nouvelles choses, mais j'ai toujours simplifié ma routine, comme je le disais tantôt. La plupart de mes soins, je les ai partagés avec vous sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram et même YouTube. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a ces deux autres réseaux, donc du coup, je fais vraiment mon maximum pour partager le plus d'astuces, le plus de soins,
le plus de ma routine capillaire ou encore le plus de mes gestes au quotidien concernant mes cheveux sur ma chaîne YouTube. Je vous ai créé par exemple des playlists spécifiques allant du guide pour les débutants. J'ai expliqué plusieurs choses concernant le type de cheveux, la porosité, comment est-ce qu'on peut se débarrasser des pointes fourchues et comment hydrater ses cheveux, comment maximiser sa pousse. J'ai même raconté mon aventure capillaire. Bref, tout cela est disponible dans la playlist. Je vous laisserai linké en barre d'infos. Donc, pour toutes les personnes qui sont véritablement intéressées par cela, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos ou encore sur la... Je crois que ce sera un lien, ouais. Ouais, sur un lien en barre d'infos. Pour pouvoir vous renseigner et avoir le maximum d'informations concernant le cuir chevelu. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vais vous laisser également mon Instagram pour pouvoir intégrer le groupe de discussion. Voilà. Revenons maintenant à ce mois-ci, le mois de novembre 2023, et parlons un peu de ce qui a changé concernant mes cheveux. C'est-à-dire que j'aimerais bien vous poser, c'est-à-dire arrêter la vidéo et commenter en commentaire ce que vous voyez comme changement sur mes cheveux. Je note par exemple que mes cheveux sont beaucoup plus touffus, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus épais. Ils ont pris en volume, mais ils n'ont pas pris en volume seulement parce qu'ils ont, je ne sais pas comment expliquer, c'est parce que le volume il a juste apparu, non. Mes cheveux ont gagné également en longueur. Ce que j'ai apprécié, c'est ma consistance dans le fait de ce que je fais au quotidien, c'est placer de l'huile sur mon cuir chevelu et faire des massages. C'est-à-dire que je ne le fais pas tout le temps, je ne le fais pas tous les jours, je ne le fais pas tous les deux jours, ni tous les trois jours même d'ailleurs, mais je le fais assez fréquemment pour qu'on puisse voir les résultats que vous voyez à l'écran là. C'est-à-dire que l'un des gestes qui fonctionne, que j'avais déjà testé sur ma tête et que ma maman aussi m'a inculqué, m'a appris lors de mon enfance, lors de mon apprentissage cheveux prépubes naturel, c'est le fait de faire des massages du cuir chevelu. Massage du cuir chevelu avec de l'huile tiède ou encore de l'huile à température ambiante comme je le fais. Là, vous voyez par exemple que mes cheveux, ils sont beaucoup plus faciles à démêler. Les cheveux, c'est vrai, j'ai beaucoup de casse également, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que j'ai toujours été habituée à avoir de la casse. Mais il faut aussi savoir que je pense que j'avais passé déjà quoi, 4 semaines avec les cheveux que je passais mon temps à soit démêler un peu avec du peigne ou encore démêler avec une brosse sans toutefois vraiment, comment dire, les garder démêler ou encore les garder en coiffure protectrice pendant longtemps. Quand je parle de coiffure protectrice, je ne parle pas là de chignon. C'est vrai qu'un chignon est une coiffure protectrice, mais quand je parle de coiffure protectrice, dans mon cas, je veux beaucoup plus citer les coiffures qui vont protéger mes pointes. C'est-à-dire que avoir des twists là où mes pointes seront fermées, avoir des nattes, avoir des tresses avec des rajouts ou encore avoir des mini braids afin de pouvoir justement faire en sorte que le cheveu reste le plus longtemps possible étiré et qu'il ne perde pas en longueur, qu'il ne se casse pas et que les pointes ne soient pas fourchues ou encore comme vous voyez là maintenant que les cheveux se barrent en fait de ma tête. Ce que j'ai apprécié en tournant cette vidéo, j'ai pas apprécié ça en tournant cette vidéo, j'ai plutôt apprécié ça en montant la vidéo, c'est clairement le fait que mes cheveux se retrouvent à avoir véritablement poussé, à avoir atteint cette longueur-là. Si on m'avait dit oui, enfin, c'est vrai que j'ai reçu plusieurs commentaires venant de mes amis du genre oui, tes cheveux ils ont vraiment pris en volume, tes cheveux ils sont beaucoup plus longs, je vois que plus de temps passe, tu as encore plus de longueur et tout, je ne le voyais pas vraiment. C'est vrai que quand je faisais mes cheveux et tout, je sentais que oui, ok, il y a un petit gain de pouce. Mais en mettant les clips ensemble et en composant cette vidéo, c'est pour vous, je me suis rendu compte que très honnêtement, mes cheveux, ils ont fleuri. Ils ont fleuri et on peut applaudir surtout ma ténacité et ma consistance. Donc, au risque de vous décevoir, les amis, il n'y a pas véritablement de secret concernant la pousse de cheveux. Je n'ai pas de secret concernant la pousse de cheveux. Je n'ai pas de produit miracle. Mais j'ai des gestes qui m'aident au quotidien. Et le geste, je ne le dirai pas assez, le geste que j'ai tout le temps depuis déjà le début de l'année, ou je crois depuis la fin de l'année 2022, c'est le fait d'appliquer de l'huile sur mon cuir chevelu et de masser mon cuir chevelu avec tendresse, avec amour, afin de pouvoir faciliter et encourager le cuir chevelu à distribuer un peu plus de la chaleur sur l'ensemble de la tête, ce qui fera en sorte que les follicules pileux seront activés, ce qui activera également la croissance et la pousse des cheveux. Il faut aussi noter que le fait d'avoir le cuir chevelu ou encore les pores qui sont obstrués, ça mène malheureusement au fait que les cheveux n'ont pas l'espace pour pouvoir pousser. C'est comme un arbre que vous avez planté quelque part et tant qu'il n'y aura pas de lumière, l'arbre ne pourra pas fleurir, il ne pourra pas pousser.
C'est comme avec le cuir chevelu et les cheveux. Plus il y a des produits sur le cuir chevelu, moins il a le temps, l'espace, enfin le temps, l'espace, la lumière et l'air disponible, enfin nécessaire pour pouvoir fleurir, pour pouvoir pousser. Donc du coup, il va falloir faire des shampoings clarifiants, bien que les shampoings clarifiants, ça assèche le cuir chevelu, mais là, c'est un autre sujet. Il faut aussi faire des gommages pour pouvoir se débarrasser des peaux mortes et faire en sorte que le cheveu puisse sortir du bulbe et qu'il puisse pousser, qu'on puisse le voir en fait et qu'on puisse retenir de la longueur. En parlant justement de peau sèche et de pellicule, parce que je reviens sur le terme pellicule car c'est une question qui, ou encore c'est un problème qui m'a été posé plusieurs fois sur mes vidéos, c'est-à-dire qu'il faut déjà penser à est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez un stress assez développé au quotidien? Est-ce que vous avez déjà vu un dermato? Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vous dormez assez? Est-ce que c'est peut-être héréditaire? Comment ça se passe dans votre famille? Quels sont les produits que vous avez déjà essayés? Parce que lorsqu'on utilise les mauvais produits, ça peut causer une desquamation du cuir chevelu. C'est-à-dire que vous aurez un dépôt de peau morte, un dépôt entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une fois que vous allez détacher vos cheveux, une fois que vous allez gratter juste un peu votre cuir chevelu, vous allez vous rendre compte que votre peau est quitte en fait. Ça peut être dû à un psoriasis, c'est-à-dire qu'il va falloir, c'est un champignon, si je ne me trompe pas, ou une bactérie. Il va falloir consulter pour pouvoir avoir un avis de spécialiste afin de vous débarrasser de cela. Ou encore, ça peut être dû à un mauvais shampoing que vous utilisez, ou encore à une mauvaise crème, une mauvaise huile qui vous assèche le cuir chevelu, qui vous donne l'impression d'avoir les pellicules. Pourtant, ce ne sont pas les pellicules, c'est juste une desquamation de la peau, c'est-à-dire des peaux mortes qui se sont accumulées sur vos sur votre cuir chevelu. Je pense que la vidéo elle est terminée. Je vous laisse déjà avec le reste de la vidéo comme ça sans voice-over afin que vous puissiez apprécier le reste du déroulé en fait. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir de solution à vous présenter. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire. Et si tu as envie de rejoindre la team sur TikTok ou encore sur, pas sur TikTok, sur Instagram, pardon, pour qu'on puisse échanger de vive voix et qu'on puisse s'entraider ensemble dans le groupe que je créerai bientôt ou alors que j'ai déjà créé à cette heure-ci. Alors, je te conseille de me suivre sur Instagram. Mon Instagram, c'est N3Stella. Je te fais plein de bisous en attendant. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un commentaire parce que ça aide pour les stats. Je te fais plein de bisous encore une fois et puis bye! Magic every time I look to you. I'm with the stars. Hold you for the night. Hold you for the night.